Hey, salut YouTube, c'est Juanito. On se retrouve de nouveau sur Absolvers pour continuer l'aventure et on s'était quitté sur Jim Mesca. Jim Mesca, le premier disciple de la bouteille dorée. J'avais pas remarqué l'autre fois, mais en fait c'est plutôt marrant parce qu'il est bourré et ça s'appelle la bouteille dorée. Donc, vous avez pu voir dans la petite, dans les petites ellipses auparavant qu'on l'a laté plusieurs fois et qu'on a pris pas mal de coups. Donc là, on va juste se faire un combat ensemble. Essayer de gagner encore quelques coups, pourquoi pas. Si on prend pas des gros enchaînements dans la face, comme exactement maintenant. Et puis ensuite, on va s'attaquer, comme je vous avais dit lors du dernier épisode, au deck. On va tout recommencer, parce que j'ai envie d'avoir des trucs plus précis. Donc là, le fait d'avoir gagné quelques coups, on va voir si on les inclut. Mais les coups de Jim Mesca, je sais pas si je vais les inclure directement, étant donné qu'on en a pas beaucoup. Puisque c'est des coups très spécifiques, on dirait vraiment qu'il est bourré. Et donc voilà, je sais pas si ça va bien aller. Allez, je vais me concentrer sur le combat un peu, sinon ça va pas le faire. Et je vais vous montrer mon 3 fois triangle. J'ai un enchaînement qui est pas mal. 3 coups de pied retournés là, les uns après les autres. Merde, je voulais pas faire ça, je voulais mettre de la vie. Bon, mais ça sent la défaite à plein nez. Je vais vous dire que ça va pas être facile maintenant. Ok. Pourquoi il a pas pris l'enchaînement quand il fait le gros coup, les deux points en avant là? Dommage qu'il ait pas appris. Là, on a de très fortes chances de perdre, les amis. Hein. Comptez pas sur moi pour la victoire, ça va être très compliqué là. Allez, viens par là, Jean. Viens par ici, au lieu de te cacher le visage. J'ai gagné son masque d'ailleurs. Oh là 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 là, ça pue. Ça pue. Oh là là, je le savais, hein. Je le savais, je le savais. Puis celui-là, ce mec, il vous enchaîne en un combo, il me fait perdre les 3/4 de ma vie. Tiens, pars donc ça, et ça, et ça, et ça, et pas ça. On est encore mal, hein. On n'est pas bien. Hein. J'aurais pas dû faire ça. Ah, voilà. Bon, on l'a eu. Et il me reste encore pas mal de coups à apprendre. Il faudra que je revienne le faire. Mais je pense que là, déjà, on a eu la totalité des boss. Puisque quand j'ai battu Jean la première fois, Jean Mesca, j'ai encore un truc qui s'est ouvert, je sais pas où. Mais écoutez, on va se rediriger vers la porte, la grande porte, parce qu'elle est juste à côté, ici, à la tour d'Alba. Salope. Ça y est, on y est, nous y sommes. La grande porte est là. Ah, là il y a un coffre déjà. Et on n'a toujours pas commencé les combos. Botte de noble de Fangli. Waouh. Eh bien les amis, on l'a découverte. On a ouvert la grande porte, on a rempli toutes les épreuves. Alors, est-ce que je me barre de là? Je pense que là, on va aller voir un peu ce qu'il y a plus loin avant de commencer les combos. Un checkpoint, apparemment on peut revenir. Ouh, il y a des beaux cailloux brillants là. Apparemment on pourra revenir quand même parce qu'il va falloir que je continue à prendre les coups des boss hors caméra. Mais déjà ici, qu'est-ce qu'on a? Réserve d'essence, cool. Oh oui, c'est beau. Toutes ces essences là avec les petits outils et tout, waouh, c'est la richesse absolue par ici, dites donc, c'est classe, hein. Ah ouais, d'accord, ils ont carrément fait ça comme ça, eux, pas de gaspillage, à moins que ce soit les vapeurs d'essence qui viennent monter jusqu'aux étages. Allez, on va les monter, voir ce qui se passe là-haut. Je prendrais bien un petit bout pour chez moi quand même. Tiens, allez allez, voyons ça. Qui es-tu, toi? Ah, direct, tu veux prendre l'épée. Ok.
T'inquiète, ça me fait pas peur. Il a l'air d'avoir des combos que je connais pas lui encore une fois. Ouais. Il y a du coup à apprendre. Bon, j'ai l'impression que pour chaque combat, c'est du coup à apprendre hein, finalement. Mais nous, on va pas se concentrer là-dessus. Aujourd'hui, je reviendrai pour sa pomme à lui aussi. Ok, et quand il veut, il prend une patate. Hein. Ça fait 10 coups de fumée. Le mec, il meurt toujours pas, quoi. Horrible. Alors ensuite, ici, là-bas on peut monter, ici on peut monter. Bon ben vous savez quoi, finalement je pense que les coups, l'épisode il a rien à voir avec ce que j'ai dit, je pense que les coups je vais finir par les faire tout seul et on se reverra au prochain... Je vous ferai juste l'explication, le compte rendu de ce que j'ai fait, parce que là finalement on est pas mal en découverte. Même si j'ai vraiment besoin d'améliorer mes coups là. Ok, ça me fait perdre la moitié de ma stamina. Ça. Mais sérieux, combien tu... Mais là, elle a plus de... Non ! J'attape la mauvaise alors qu'elle a plus de parade. Tiens. Double patate, coup de pied retourné, prends ça dans ta face. Non mais... Masse de stamina, quoi. Non mais je l'évite ! Je l'évite ! Je l'évite, putain. Mais je l'ai... Non, je les évite pas là, je déconne. Bon. Sérieux, vous... Mais ils ont de la stamina infinie ou quoi? Ils arrêtent pas de taper là, ils partent tous les coups, ils font que me taper, putain. Mais non. Ah là, ça y est, ils m'ont chauffé les oreilles là, je suis énervé là. Deux, c'est pas grave. Ouah, je la connais pas lui. Allez, vous dégagez. Déjà, d'où il a une cape lui? Déjà, d'où... Les deux ont des capes. Non mais, les mecs attaquent en même temps. Qu'est-ce que vous voulez que... Oh, le coup de pied de ouf. Purée, mais ils ont des coups géniaux ici. Ah là là, il va falloir que hors caméra, je reste une heure là-dedans. C'est horrible parce que j'ai attendu pour refaire mes decks. Et là, j'ai déjà envie de... Je les ai pas encore refait, que j'ai déjà envie d'apprendre des nouveaux coups pour changer les decks que j'ai pas encore fait. Je vais encore crever, hein. Je vais encore crever. Je vais crever, je me casse. Je me casse, mon gars. Ah ! Ah, il me suit. Allez, viens. Oui, c'est à toi que je parle, là. Mais sérieux, quoi. Mais c'est pas vrai. Mais sérieux! Tiens, crève. Oh, il est pas mort, salope. Il est pas mort, il est pas mort, il est pas mort, il est pas mort. Qu'est-ce que tu fais dans ton petit coin là? Voilà, ça c'est fait. Un peu de vie. Bon, qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté par ici? Ah, le combat contre les murs qu'on adore. Ah, une petite tenue là. Est-ce que ce serait pas une cape? Chemise d'essence de mineur. Oh, le coup de pied. Oh, le coup de pied! Putain, mais... Je me fais taper. Je me fais taper, j'aime pas ça. En plus, je me fais taper, mais niveau stamina, j'ai l'impression que c'est vraiment pas égal, quoi. Bon. Les coups, on les apprendra plus tard. Allez, mort. En plus, ça met un coup de coude et je m'éclate contre le mur avant que je touche par terre. Ok, je lui mets deux patates. Vas-y, va faire un tour en bas, voir si j'y suis. Allez, ça va. Deux patates et le mec, il met quand même son coup de poing, là, je sais pas quoi. Eh bah, dis donc. Ok, on est monté d'un étage. C'est pas simple, hein, je vous le dis. Alors ici, on va éviter de tomber, évidemment.
par là, on a des escaliers. Ah, ça montait par ici. Ok, ça rejoint. Je pense qu'on n'a rien oublié. On va passer par là. Tous les chemins mènent à Rome, apparemment. Qu'est-ce que tu fais, toi? Ah, ah, ah! Oh, il est vraiment très tardif le troisième. C'est bon, je le saurai. Voilà, un autre coup de pied qui est vraiment pas mal. Bon, faut pas que je perde. On reviendra à prendre tous ces coups plus tard. Non, j'ai encore choisi le bon moment, tiens. Alors, 1. 2 et j'ai pas eu le temps de parer de troisième parce que je l'ai pris dans la face. J'ai pris, enfin j'avais plus de parade pour le second plutôt. 1. Alors 1. 2. Et trop tôt. Trop tôt, putain. Ouh, bonne esquive de celui-là. Ça, ça va être utile, faut que je la batte, absolument. Ouh, elle a failli faire son combo de coup de pied, dommage. Voilà, violence des combos, quoi. Allez, boum! Et en plus, on a pris un bon coup de pied. Et l'autre, on l'a pas du tout appris. Mais j'ai vu que là, je l'ai découvert, mais on n'a pratiquement pas chargé la barre. Même pas du tout. Attends, je suis pas prêt, hein, je suis pas prêt. I'm not ready for you, baby. Bandelette de mineur d'essence, cool. On gagne du stuff là. Voyons combien de points. D'ailleurs, je vais dépenser mes points quand même. En méditation, au moins ça. Oh, j'ai 6 points. Ça, tu m'étonnes que j'y arrive pas. Alors, 2. Volonté, c'est la quantité accumulée. C'est pour avoir les pouvoirs plus vite. Allez, on va faire monter ça un peu. Voilà. Ben voilà, ça a beaucoup mieux se passer là aussi. Avec 6 points. Tu m'étonnes. Quel débile. Équipement combo, bon ben on verra dans le prochain épisode. Ok, là-bas ils sont deux. Ici, j'y suis déjà allé. C'est le chemin qui remène par là, d'accord, ça marche. Bon ben allez, c'est parti, on continue la fight. Alors je vais essayer de les faire tomber dans le vide. Ok. On va oublier l'histoire du vide, je crois. Et on va essayer surtout de pas tomber dans le vide. Allez, je tape le mauvais, évidemment. Mais... je vois rien. Je vois rien du tout. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il veut des rapides comme ça? Qu'est-ce qu'il a? Il est bloqué. Il est bloqué. Ah, je... mais... il fait des trucs chelous. Non, je veux pas mourir. Il était Keblo, mon perso. Ah là là, c'était trop chelou. Fou. Bon. On va reprendre un peu d'énergie. Non, 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 non. C'est hors de question. Pas trois. Pas trois en même temps, les gars. Mais non, mais sérieux. Oh là 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 là, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. De toute façon, dès le début, ça a été compliqué parce que dès que j'ai voulu enregistrer, j'ai perdu les combats contre Jin Deska. Je l'ai bourriné lui. Allez, on va bourriner. Et c'est bon, c'est passé. Pantalon de gardien d'Orat. Purée, on gagne tellement de trucs.
tout ça, ce sera fait hors caméra et ce sera prêt pour le prochain épisode, c'est sûr et certain. Et ça y est, on est enfin en haut. Alors, on n'a pas tué tous les mecs qu'il y avait en bas, mais je pense qu'on s'est assez battu contre eux quand même. C'est l'heure de la découverte. Allez, où est-ce que ça va nous mener tout ça? On est en haut de la tour. On est en train de monter la tour d'Ada, là, tout simplement. Cette montée de la tour d'Ada, ici, c'est fermé. On a une grande porte, on ne peut pas l'ouvrir. Non. Par là, ça monte encore. Allez, allons voir ce qui se passe. Je pense qu'il va y avoir un boss en haut, j'imagine. What? J'étais téléporté. Ah ok, c'est juste un écran noir, ça va, je peux quand même revenir. Je pourrais de nouveau me battre. Ça c'est important. Et ici, où est-ce qu'on est alors? Quartier impériaux, ok. Bon, et bah écoutez les amis, on va s'arrêter là. On est en haut de la tour d'Adal dans les quartiers impériaux, c'est très joli. Voyons s'il y a du mec à fighter. Pas l'impression qu'il y ait du monde à taper. En tout cas, faut mieux pas tomber là. On a bien monté. On est monté tout en haut. C'est classe, hein. Très classe. Purée, j'ai quand même envie d'avancer, voir où ça mène. Allez, on va aller voir encore un peu plus loin. Mais s'il y a des boss, enfin s'il y a des PNJ à taper là, je vais m'arrêter là. Ok, tout est fermé. C'est que de la déco. C'est beau, hein. C'est très très beau. Oh oui, c'est très beau. Avec tous les morceaux d'essence accrochés. Oh, comme c'est classe. Vraiment cool. Donc, je peux monter. Je peux que monter, tiens. Je pensais que j'allais pouvoir descendre. Mais apparemment, non. Waouh. Ah, trop beau. Et on peut encore monter. Par là, il y a une porte. Même les petits pots, ils sont plus jolis là, ils sont dorés. Ok, des escaliers, on grimpe. On peut une autre porte en dessous, non, j'ai pas l'impression. J'ai peut-être coupé quelque chose. Ah, là-bas, on peut y aller encore plus loin. Vraiment classe tout ça. Allez, on se dépêche. Parce que là, ça fait un bon moment qu'on enregistre déjà. Et on arrive devant un portail. Est-ce qu'on peut l'ouvrir? Non, mais on peut encore monter. Eh ben, ça monte, hein, dis donc. Là, on est vraiment... Waouh, magnifique, regardez ça. Je peux plus m'arrêter les gars, faut que j'aille découvrir ce qui est un peu plus loin. Et ben voilà ce qu'il y a plus loin. Il y a un boss tout simplement avec une arène. Une belle arène fleurie. Eh bien allez, c'est tout pour aujourd'hui les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu, je sais pas combien de temps il va durer. Désolé pour les decks, j'ai pas arrêté de vous l'annoncer depuis le dernier épisode et même pendant celui-ci finalement on l'a même pas fait. Mais écoutez, c'était la découverte, j'espère quand même que ça vous aura plu et comme je vous ai dit, moi je vais me battre et puis on se revoit la prochaine fois où je pense que là ben, j'aurai appris pas mal de coups. C'est vraiment très joli par ici. Tiens, ça va être l'image de la miniature, ça, je pense. Allez, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et puis, on se revoit très prochainement. Ciao, ciao et bon jeu !